La neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel. À genoux les petits enfants avant de fermer les paupières font une dernière prière. Par milliers, n'oublie
Soir de Noël dans ma tête,
C'est la nuit de Noël. David et Julie s'endorment. Les souliers sont devant la cheminée. Ils ont promis d'être sages et ont fait leur prière du soir. Ils n'ont rien oublié. Dehors, dans le ciel, le Père Noël commence sa tournée avec sa hotte sur le dos. Il arrive enfin près de la maison de David et Julie. Il fouille dans le sac où il avait rangé toutes les lettres des enfants. Où sont-elles ? Ah, les voilà. Voyons un peu. David, cher Père Noël. Ah, non. Je serai toujours sage. Rangerai ma chambre. Ah, je voudrais une guitare. Il enlève sa hotte et cherche une guitare. Une guitare. Où ai-je mis la guitare de David? Le pauvre Père Noël a tellement de cadeaux qu'il s'y perd. Ça y est, je l'ai. Maintenant, voyons ce qu'a demandé Julie. Alors, serai toujours sage. Plein de gros bisous. Je voudrais une poupée. Il replonge dans sa hotte et rapidement en sort une grande boîte. Ah, ça, c'est pour Julie. Allez, en route. Le Père Noël monte sur le toit. Descend dans la cheminée. Dépose la poupée et la guitare près du sapin et met quelques bonbons dans les souliers de David et Julie. Voilà. Et il s'en va. Dans le salon, tout semble calme. Mais on dirait qu'il va se passer quelque chose. De petites étincelles tournent autour du sapin. Mais il bouge! C'est un sapin magique! Yo, les cadeaux, vous êtes enfin là! Je commençais à m'ennuyer tout seul! À cet instant, le sapin magique envoie une très jolie lumière rose sur les deux cadeaux. Sapinos, magicos, guitarus et poupées roses, vivos! À ces mots, les papiers cadeaux se défont comme par enchantement. La guitare et la poupée prennent vie. Mais où suis-je? Qui suis-je? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Vous êtes une poupée, ma chère, et je suis une magnifique guitare. Mais, pardon, que s'est-il passé? Peut-on savoir? Je vous ai donné la vie, mais pas pour longtemps. Mon pouvoir ne dure que quelques instants. Grand fripon, il est fou ce sapin vert. Mon nom à moi c'est Zinzin et mon plus grand rêve serait bien sûr de jouer moi-même. Moi, je n'ai pas encore de nom, mais j'aime chanter. Parfait, et si je dansais, je m'appelle Basique, le sapin magique. La poupée se rapproche alors de Zinzin et ensemble elles se mettent à chanter. Là-haut sur la montagne vivait un vieux papa, un vieux nana. Non, non, moi j'ai mal aux oreilles. Vous chantez et vous jouez faux. Mais il est trop tard pour les cours de guitare et nous n'avons pas le temps pour les cours de chant. Basique, le sapin magique, envoie alors à nouveau cette lumière rose sur la poupée et sur Zinzin. Sapinos, magicos, guitarus et poupées roses, chantas, justice. Là-haut sur la montagne vivait un vieux balai. Oh, mais ça y est, je chante juste, je chante juste. Et moi, je joue. Écoute, j'ai une idée de chanson. Je commence et tu m'accompagnes, d'accord? D'accord. Ta lettre est bien arrivée, Julie, tu auras ta poupée. Non,
ta lettre est bien arrivée. Julie, tu auras ta poupée. Non, il n'est pas en retard. David, tu auras ta guitare. À peine ont-ils fini leur chanson que la poupée retourne dans sa grande boîte. Et Zinzin dans son papier cadeau. C'est fini, les cadeaux vont se remballer. Au dodo les amis, les enfants vont arriver. La magie c'est joli, mais c'est terminé. Un joyeux Noël et une bonne année. Les yeux de la poupée et de Zinzin se ferment lentement. Elles ont passé leur plus beau soir de Noël. Mais de quoi vont-elles rêver? Seul Basique le sapin magique le sait. Et vous les enfants, si un jour vous recevez une poupée ou une guitare, rapprochez-vous d'elle et prêtez-lui l'oreille. Vous entendrez peut-être